c'est la saga. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, mon fil de baston. Et je frappais un coup de pied dans la table, tout volé. Envenimé par la négativité, tant d'échecs, tant de défaites. On forgeait le mordant pour encaisser les coups de ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien, je voulais fonder un empire. J'ai persisté, dit des trucs vrais et dépisté. J'ai insisté et le groupe Ayama existait. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris les vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière. De l'attention, ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables phases de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand y allais, j'y retournais. C'est la saga. Vers le but fixé et longue et périlleuse, souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation de rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée, droit sur sa cible, ignore les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prenne une attention quelconque. Je sais qu'en fait tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtienne avant les autres. Partant, je roule pour moi, tant pis pour les autres. La médisance est leur hobby favori. Je suis sorti de cette période néfaste. Tu te prélasses en attendant que tout se fasse. J'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller.